Jean-Vincent Placé a été mis en garde à vue dans la nuit du 4 au 5 avril après avoir importuné des femmes dans un bar. D'après une information révélée par Europe 1, le sénateur de l'Essonne aurait été placé en garde à vue au commissariat du 5e arrondissement de Paris. Ivre, l'ancien secrétaire d'État aurait harcelé les femmes dans un bar aux alentours de 2h du matin. Jean-Vincent Placé se serait aussi illustré en montrant quelques signes de résistance lorsque les agents de la police sont intervenus pour l'interpeller. D'après Europe 1, le sénateur aurait au moins de fait affiché une alcoolémie de 1,16 g. En septembre dernier, l'ex-secrétaire d'État en charge de la réforme de l'État avait été frappé par 3 individus alors qu'il était attablé à la terrasse d'un café. C'est violent physiquement et psychologiquement, expliquait l'avant de faire cas de son intention de se mettre à l'écart de la politique. Il était temps de faire une pause, qui pourra être définitive. Je ne sais pas encore, avait-il indiqué.